Bonjour à tous. Masha était une fille qui n'arrivait pas à se marier. Alors elle est allée pendant 7 ans chez plein de psychologues qui l'expliquaient que elle était égoïste parce que ça et ça et ça. Et donc, mais ça n'a rien changé. Alors, quand elle s'est rapprochée de Mahon Khana et du judaïsme et de la chassidoute, elle, le Rav Friedman l'a dit, part chez le rabbi. Elle a dit, le rabbi c'est un psychologue. Il a dit, non, le rabbi c'est tout. Alors, elle est allée chez le rabbi. Elle est rentrée en audience privée. Elle a posé 30 dossiers sur la table du rabbi et le rabbi les a tous les a lus et il a dit, je vois pas c'est quoi le problème. Alors elle a dit, vous voyez que je suis égoïste. Alors il a dit, demain quand tu vas arriver à un Mahanchana, à la cantine, il y a des filles qui oublient une fourchette, une cuillère, un couteau. Alors, tu vas les aider. Alors, le lendemain, quand elle est arrivée à Mahon Khana, elle a dit à la cantine, elle a dit que qui a besoin de l'aide? Tout le monde était étonné. Mais elle a aidé. Avec le temps, elle s'est habituée à ne plus être égoïste. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants en bonne santé. Dans la paracha de Vaïgash, on voit comment Yosef rencontre son frère, son fils, son frère Binyamin, après 22 ans qu'il l'a pas vu. Et il pleure, et les deux pleurent. Pourquoi les sages nous disent que Yosef a pleuré pour le temple de Binyamin, et Binyamin a pleuré pour le tabernacle de Yosef. Et comment, en l'occurrence, le temple va être détruit et que le sanctuaire va être détruit et le tabernacle est détruit. Alors, pourquoi ils ont pleuré pour l'autre? Ils n'ont pas pleuré pour eux. Parce que quand la réponse elle est que quand c'est pour nous-mêmes, il faut agir. Mais quand c'est pour l'autre, on a essayé de le sauver. On n'a pas réussi. Alors on pleure. Et donc, c'est mieux une action que 1 000 soupirs. Et comme ça, on va agir, on va rajouter dans les bonnes actions. Et comme ça, on va ramener ma chère Nao. Excellente journée.